amis auditeurs et téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, nous sommes en direct dans la primature, côté nous parlons, permettre de suivre une conférence pour la presse. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, accompagné du gouverneur Banque Centrale, Jean-Baptiste Dubois, et par le bail, soirée présidentielle qui te prend en conseil des ministres pour toute transaction faite en goutte d'un payant. Nous allons permettre de suivre une conférence pour la presse. Et c'est l'occasion tout pour autorités concernées de parler sur l'autre dossier qui concerne avec l'économie. Et il faut connaître que les conférences de presse et les venues dans le moment que le gouvernement te prend une décision dans le cadre du conseil des ministres pour toute transaction faite en goutte d'un payant, d'une façon pour gagner une stabilité économique dans le pays d'Haïti. Et on est capable de dire, on a parlé là, tous les journalistes sont mobilisés et pour capable de suivre la conférence. Et j'en dis, et c'est dans quelques minutes que la conférence a commencé, côté Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, accompagné du gouverneur Banque Centrale, plus l'autre autorité, et par la conférence sur la question de l'économie et paysan, et qui ça qui peut le faire pour capable et créer plus de stabilité économique en dedans pays. Et conférence de presse, j'en ai dit, qui a fait la primature jeudi, vendredi 2 mars. Là. Et TNH mobilisé avec toute l'équipe là, que nous là pour nous permettre de suivre la conférence pour la presse. Tiens, c'est pas bon. Amis auditeurs et téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, nous en direct en primature, côté nous pour permettre de suivre une conférence pour la presse. Premier ministre Saint-Jacques-Guy Lafontaine, accompagné du gouverneur Banque Centrale, avec l'autre autorité qui parle de la conférence, c'est sous. En conseil des ministres, nous connaissons une décision qui était prise pour toute une transaction faite en goutte dans le pays. Qui donc, c'est le principal grand point dans la conférence et que l'autorité concernée pour le parler vraiment que sur la situation économique paysan et puis encore aborder l'autre point et qui concernait le développement du pays d'Haïti. Et nous sommes capables de dire que toute la presse a mobilisé, nous-mêmes que l'INA et qui l'a mobile international, et nous là, nous en direct et depuis notre primature pour nous permettre de suivre et la conférence. Et je nous dis dans quelques minutes que le Premier ministre avec le gouverneur Banque Centrale a gagné pour arriver et là pour la conférence démarrer. Et je nous dis. Et je nous dis vraiment que c'est un conseil des ministres. Et un conseil des ministres qui te prend la date 28 février passé, à côté que décision prend pour. Et bon côté gouvernement pour toute transaction faite en goud dans un pays. Et j'en nous dis, autorité a bien pour aborder l'autre sujet tout qui a rapport avec l'économie paysan, plus les questions journalistes qui ont pris pour qui est posé et sur ensemble de mesures que le gouvernement doit prendre et dans le cadre et pour créer une stabilité économique, puisque le pays a avancé normalement. Jean que nous disons, conférence de presse a commencé tout à l'heure. Et en pile, mon va fait nous-mêmes, Mobile International, toute équipe l'a mobilisé, et moi-même, qui l'a, avec toute équipe caméraman, nous l'a nous mobilisé, et toute presse là, tout, là, pour permettre de suivre la conférence là, qui va dérouler dans la primature, dans la salle conférence en primature, journée vendredi 2 mars, là. Et Jean-Louis Tapdien et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et avec le gouvernement central là, n'a pas rappelé qu'il va aborder le sujet ça qui est important pour le pays pour capable de créer une stabilité politique et économique. Et transaction qui doit être faite en goutte, c'est en mesure qui prend et pour capable de créer plus de stabilité pour gagner et plus de développement dans le pays. Autorité dans 4 minutes pour arriver pour capable permettre de suivre une conférence qui va dérouler dans un prix primature. Les amis auditeurs et téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, dans 4 minutes, autorité a privé pour le ministre, plus le gouvernement central, l'autre autorité encore,
pour capable venir présenter conférence de presse là et dans prix mature journée vendredi 2 mars là. Studio nous remet en antenne et nous allons mettre suivre la conférence de presse dans quelques secondes. Mesdames, Messieurs, presse parlée, écrite télévisée, peuple haïtien. Josia, accompagné de ministre finance, là, de ministre commerce, là, avec gouverneur la banque, là, nous venons faire un petit parler avec nous. Sous une dernière arrêté qui prend au Conseil des ministres, à savoir arrêté qui intéresse les transactions commerciales sur tout territoire République d'Haïti, dans la monnaie nationale noire, je voulais parler de Goudna. Nous connaissons que normalement, loi pays, hein? Monnaie nationale, là, c'est goudli. On l'autre bagaille encore, gouvernement de la République, là, toute action que li prend dans le sens intérêt peuple. C'est dans le sens ça. Après plusieurs mois de travail, de réflexion, le gouvernement prend décision responsable pour que toute transaction financière qui est faite dans la République d'Haïti puisse être faite en goudre. Monsieur Zeda, on peut prendre un petit exemple. On moun pral non bal obligé à changer cob pour qu'a gagne dollar américain pour al non bal. On moun nou besoin al non spectacle dollar américain. Ou besoin al non série de restaurant dollar américain. Ti classe moyenne là. L'el gen pour le payer loyer kayli chaque mois faut la battre la rue pour joindre dollar américain parce que sans goud les toucher pour le payer loyer kayli on mon nous besoin acheter un terrain oui dollar américain gen deux monde même là vendre service avec un mécanicien. Il dit, ah, c'est en US pour payer. Certains magasins prix ont affiché en dollars. Tandis que grande majorité des haïtiens revenu yo c'est en goud lié. Tout fonctionnaire l'État nou yo, policier, professeur l'école, tout docteur qui travaillent dans la santé publique, infirmière, auxiliaire, petit personnel, tout, c'est en goût de toucher. Donc, son façon pour me dire nous, que décision ça que nous prenons, c'est l'aller dans le sens intérêt grande majorité haïtien. On connaît que il y a un pile parler qui a fait sous ça, mais ça me donne un mendino, s'il vous plaît, tête frette, posez, gouvernement travaille pour nous. Je vais passer la parole à ministre commerce,
ministre finance là avec gouverneur banque centrale là qui pour aller élaborer pour nous qui capable nous plus précision concernant mesure ça que gouvernement prend. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, bonsoir. Je ne vous dis en tant que Premier ministre en Dili, article 6 constitution dit comme ça, monnaie nationale, c'est la goutte, c'est goutte que l'y est. Malheureusement, nous avons certaines institutions de la place qui ont affiché prix, je voulais parler de certains restaurants, certains hôtels, que affiché prix en dollars. Au niveau du ministère du Commerce, rôle nous, avec tout gouvernement, c'est accompagner population en quête de mieux-être. Nous, en service et au service de la population, nous là pour nous protéger intérêt population. C'est ça que fait affichage prix en goutte qui ton sorte de caillou l'en soulier nous, journée jeudi, hein, nous décider retirer caillou ça. Et nous prend ou appliquer pour arrêter pour nous dire que désormais tout prix sur toute l'étendue du territoire de la République faut y afficher en goud parce que les prix n'est pas affiché en dollar en goud ça crée ou sorte ça relé ou sorte de inflation ou poussé inflationniste au Kéden ça crée ou pression sous goud là. En ce sens il faut me rappeler nous tout Haïti c'est un rare pays OK côté qui gagne double circulation de monnaie, à savoir la goutte et le dollar. Au niveau du ministère du Commerce, on va tout mettre en œuvre pour que, ok, appliquer ça, arrêter ça, appliquer dans son intégralité. Nous avons une brigade que nous allons déployer à travers tout le territoire national pour nous faire respecter mesure ça. Merci. Bon, bonjour tout le monde de la presse parlée, écrite et télévisée. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. PM a déjà fixé cadre dans lequel nous travaillons. C'est en fait pour nous harmoniser nous avec contexte international. Et le ministre commerce a expliqué une modalité d'application pratique là. Nous juste rappeler nous que nous tous, quel que soit nous-mêmes, quel que soit si déplacement fait dans n'importe quel pays, pas grand pays n'aller côté que dollar gagne dans poche loin qu'à utiliser dans la rue, pas aucun pays. Donc ceci sont normalité que n'a rentrer là-dedans que ne doit rentrer là-dedans déjà. Et pour les ministres bien expliquer que l'un gagne dit exigence de payer en dollars son problème lié son situation d'insécurité parce que nous oblige à chercher dollars dans la rue hein, et son problème parce que Ntakadou priant ou vin gagner en inflation naturelle parce que même l'œil affiché priant en dollars l'on pral acheter dollars ou gon différence de change qu'on pral payer sous lit et ainsi de suite. Donc l'idée meilleur bagage là c'est que nous gon seule monnaie qui est appliquée mais il demeure certain que soit pas tout besoin de dollars ou besoin parce que ces principes là c'est que sous besoin de dollars pour parti il doit accessible mais si son transaction a fait sous territoire pas aucune raison pour besoin l'autre monnaie que monnaie qui est en cours sous territoire et que constitution dit son seul monnaie gain seulement pour mesure pour nous rentrer en application constitution dans son intégralité. Merci beaucoup gouverneur. Salut tout le monde, tout journaliste qui est là-haut, tous les amis de la presse, parlée, écrite, télévisée. Et c'est un plaisir pour moi pour que moi parler avec nous aujourd'hui, pour me faire intervention ça, à partir de circulaire ça qui sortit. Et nous tendons plusieurs fois et plusieurs interventions que me fait au nom de Banque Centrale, côté que me dit que l'important que les prix en Haïti, que c'est en goutte que affiché. Et il y a plusieurs tentatives qui faites, et je pensais que sont l'autre tentative qui fait encore, et je pensais que tentative ça, puisque qu'on y a la ligue, il y a beaucoup plus de force parce que sont arrêtés réguliers, et que l'important que les prix
soit fixé en goutte. La Banque centrale fait un pile effort, et notamment au niveau des cartes, côté que le demander que toute carte, que ce soit carte de débit et carte de crédit, que libellé en goutte et que toute transaction est faite en goutte. La Banque centrale m'a dit tout que institution financière yo, que bail crédit à la consommation, que son crédit en goutte que lié. Parce que le pas fait trop sens que chaque individu, chaque client, chaque jour bon Dieu mettait pour la chercher un dollar pour le payer en prêt ou bien pour le payer en carte de crédit. Mais cependant, il se trouve que depuis que nous rentrons en fait dans taux de change flexible, parce que nous n'avons pas taux de change fixe en Haïti, nous avons taux de change flexible. Depuis que nous rentrons dans taux de change flexible là, il se trouve que la goutte pratiquement vient en monnaie de second ordre. Et la monnaie qui est utilisée, c'est le dollar qui est utilisé. Et alors que majorité haïtienne a touché en goutte. Donc, il est fondamental que y ait ramené les pendules à l'heure de façon à ce que tous les prix affichés en goutte. L'autre jour, Gombaga qui arrivait, mais pas même l'autre jour, mercredi, je me suis allé au dentiste et puis m'a passé dans le magasin. Je viens dans le magasin et puis le propriétaire du magasin dit que c'est dollar pour me. En fait, c'est son orier m'a acheté. Il dit que c'est dollar pour me. Il dit que c'est en Haïti que mieux. En fait, il va reconnaître mais comme gouverneur de Banque Centrale, ce qui était une bonne chose. Dit que non me bagain dollar c'est good que me gain et me garder dans bouche point c'est good que me gain et carte de crédit pas oublier que carte de crédit c'est un good que le passé pas vrai il dit 600 good doit payer 70 good dit si me d'appeler au 70 good faut ta faire arrêter le m'explique que ça l'a fait pas quoi à ce moment-là Livine reconnaît que peut-être que son monde qui n'a quelque autorité. Et à ce moment-là, il parlait de quito qu'on voulait. Il dit non, pas qu'on taux que je voulais, je voulais que taux Banque Centrale. Et à ce moment-là, il m'a dit taux Banque Centrale là, et je parle taux Banque Centrale là. Mais imaginons qui s'est passé. Ça veut dire que l'homme n'a fait prix de revient, il a gagné tant mettait bénéfice. Li. Et puis là, ils font comme encore sous change. Ok? Li pa fait sens et c'est peut-être ça dans tout pays gen on monnaie qui existait et c'est monnaie qui utilisé en pile dans nous là pour la pour pas dire la majorité nous habitués parti et l'une partie nous compte qui gère que ba yo passé donc ce que toutes les prix soient affichés en goutte li bon pour tout le monde parce que li fondamental que nous connaît que ça n'a payé et puis on ka faire comparaison tout on pa kon côté gon prix qui en goutte gon prix qui en dollars. Même deux bagages qui vendent 10 dollars, pas fait, pas le dire le même prix, nous ne savons pas. Parce que, il y a un qui va dire que c'est 66 gouttes, il y a un qui va dire que c'est 68 gouttes, il y a un qui va dire que c'est 72 gouttes. Comment on va comparer? Mais tandis que si tout est en gouttes, on ne peut pas comparer. Donc, ça, c'est le premier élément. C'est une bonne chose que les prix soient affichés en gouttes. La deuxième chose, il faut dire que et le décret de 1989, OK, c'est un décret qui autorisait que tout le monde gagne en fait que banque ka ouvrir des comptes en dollars pour n'importe qui monde. Donc ça veut dire que mon a toujours ka gagne compte en dollars. Dans décret il bien dit les transactions commerciales. Mais le mal font dépôt sous compte en dollars moi. Son dépôt relié, c'est pas une transaction commerciale, c'est l'homme pas l'acheteur avec le commerçant. Ça veut dire que ça c'est pour dire que cette histoire de dit que pas gagne compte en dollars encore dans le système là. Dès dit le 1er janvier, moi dit encore, OK, ça OK, circulaire là, pas mettez en question. Ça, c'est le premier bagage, je veux que vous le clair pour tout le monde. Deuxième bagage, pour me dire que la loi sur les bureaux de change, la loi sur les bureaux de change, sur les agents de change, dit clairement que tout le monde qui reçoit transfert, il est supposé recevoir comme lui, dans la monnaie que vous voulez transférer pour lui. Ça veut dire qui ça? C'est le monde qui a choisi dans qui monnaie que y a payé et c'est un décret loi qui dit ça. OK, ça me pensait que faut l'important pour le clair pour que nous pas mélanger banane avec orange, OK, pour ne pas faire un amalgame. Pensais que c'est extrêmement important que nous clarifier toute bagaille ça. Et puis l'autre bagaille que me pas dit, c'est-à-dire que nous non pays qui pratiquement dollarisé presque à 63% pour l'instant.
Donc, ça veut dire que il y a toute une série de habitudes qui viennent. Donc, il est clair que cette circulaire, en fait, cet arrêté qui sont arrêtés, qui définit dans quel cadre que pays après évoluer en termes de monnaie, en monnaie unique que la Constitution reconnaît, mais il méritait certainement des circulaires d'application. Et je pense que le Premier ministre a dit que il y a des circulaires d'application qui prévoient certainement des délais et tout ça qui est supposé arriver, comment en fait différentes transactions sont supposées faites de façon à ce que l'applicabilité soit claire pour tout le monde, tant que le coq, de façon ensemble. Nous avons un pays qui est normal, nous avons un pays côté que nous capables, nous pas un pays en fait à deux vitesses, côté que et monde fait ça ou voulez. Ou pas voulez un pays non plus côté que chaque individu tout non agent de change. Parce que c'est ça qui a passé là. Ou aller ici là, ou aller en fait arriver de quelle machine ça, les dit que c'est $1 pour payer, mais tout moins c'est temps. OK? Nous sommes un système de taux flexible. La Banque centrale n'a pas fixé le taux de change. Il faut bien dire ça. Parce que nous sommes dans un taux de change fixe depuis 1990. La Banque centrale a calculé sa marché à bail comme change. Et puis, il dit que le taux de référence, c'est temps. Ce n'est pas un taux que la Banque centrale a fixé. Il faut être clair pour tout le monde. C'est pour raison ça, son taux qui, en fait, a évolué en fonction de la demande et de l'offre sur le marché. Donc, moi, c'est que dit très clair et nous très ouverts pour toute question ça. Et moi, c'est que l'important, démarche que nous faisons là, pour nous venir comprendre ce qui a passé là, au lieu justement que nous éviter des voyer monter. Et job nous, c'est informer population, c'est bal bon information, c'est de façon à éclairer lui pour le capable lui-même venir un acteur économique rationnel et que qu'a prendre décision qui méritait pour prendre la fonds transaction économique. Merci. Merci. Et gouverneur Adil, c'est ouvert à toutes questions. Et j'en connais que au niveau primature, j'en toujours fait, nous prenons question sur un monde qui sollicite. Sur l'islam, nous gagnons qu'est-ce qu'il y a, le Nouvelis, TNH et puis Vision 2000. On va commencer rapidement avec le nouveau qu'est-ce qu'il y a et puis le Nouvelis. Monsieur Robinson Henry, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Nous connaissons et on faiblesse au niveau institution l'État ou généralement qui exprime face à des mesures qui prend. Par exemple, il y a un ministre de l'Environnement en général qui prend des mesures. Et sous question Fromio, à certains Fromio, ça prend deux reprises et il n'est pas respecté. Il y a une fermeture de carrière de sable, ça n'est pas respecté. Qui moyen gouvernement bay tête li pour que li rive permettre que mesure ça li respecte véritablement. Deuxième question, nous connaît Jean gouverneur la so di la économie li dollarisé à un pourcentage élevé. Gagnent de institutions l'État et par rapport à de coopération internationale, les si nous prend par exemple programme EPTA côté gain de fonctionnaires qui est touché en dollars. Et il y a de l'autre programme comme ça tout. Est-ce que et type de fonctionnement ça, réalité ça, pas prêt à long à mesure qui prend est-ce que on intervention qu'a fait dans ce sens ça tout pour ne payer tout mon en goût. Et puis dernière question pour Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, gain allié pouvoir qui c'est magistrat au Kaila Gabriel Fortuné qui dit que faut que chef gouvernement li démissionne sinon et la rue a exigé que l'aller et le praler parce que li pas ka délivrer li pas une capacité pour ça. Qui réaction? Merci. Et merci n'a pas nouvelle liste et merci que panel ça noté comme n'a pas question qui exclusivement à question arrêté n'a passé rapidement à nouvelle liste pour question sur arrêté. OK, justement. Merci pour la question. En forme d'où bien, au niveau du gouvernement, on n'est pas là pour bérer les tartines. Nous là pour apporter les changements nécessaires là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Et, ministère du Commerce, au niveau du ministère du Commerce, tant qu'on me dit, au départ, il y a des brigades que nous pouvons déployer sur toute l'étendue du territoire pour nous faire respecter, arrêter ça dans toute application.
Merci. Et tu as une question sur les contrats libellés en devise. Bon, li simple par rapport au contrat individuel, c'est-à-dire si son professionnel n'a payé qu'à travailler sur le territoire, et mon nan c'est goutte li besoin pour fonctionner. D'accord? Donc, contrat qui déjà libellé en dollars, il doit payer, il doit payer en goutte à la date de la transaction, donc nous n'avons pas de problème. Et les prochains contrats seront systématiquement libellés en goutte. D'accord? Donc c'est seul ça, le cas dit pour ça. D'accord? Non, nous parlons de contrat de service par rapport à des mouns qui a touché en dollars. D'accord? Pour contrat ça, hein, nous avons toujours continué à payer mouns en montant que au duel, mais le montant en goutte à la date de la transaction. Si mouns n'a besoin de quantité de dollars pour le parti, dans le cobli touché, elle n'a pas acheté de dollars. D'accord? Oui, c'est exactement ça nous dit. C'est que depuis mon travail sous projet, qu'on y a un bras l'assurer que et ceci c'est quelque chose qui va être clair pour l'ensemble des projets qui sont sous la responsabilité des différents ministres. C'est-à-dire depuis son individu qu'on font contrat avec elle, sauf nous avons gagné peut-être une ou deux exceptions quand c'est un expert étranger dans le cadre de contrat ça qui vient faire prestation de service pour deux semaines et que contrat libellé en dollars, le ça nous a payé parce que au départ son prestataire de service externe qui appelait à retourner l'autre bord. Mais depuis son monde qui ont professionnel qui travaille sur le territoire, tout le contraire va libérer en cours. Eh bien, en ce qui concerne la question qu'on pose PM, il n'a pas fait objet de conférence de presse. Non. Cependant, son citoyen, n'importe qui citoyen qui doit dissalver dans le cadre du respect de la démocratie. Merci. Moi, le Robertson Alphonse, je travaille pour le journal Le Nouveliste. Bonsoir à tout chef. Yo. Oui, oui, il faut me saluer, chef. Oui, pardon. Ah, pour la caméra, pardon. Excusez. Et, il y a un paquet de questions. Et, je vais essayer de balancer très rapidement parce que je pas attendre de évoquer. Et, si j'ai bien compris aussi, logique exercice ça avec le public là, c'est pour bailler information pour éviter des spéculations, mais des comportements de panique par rapport à la décision ça. Et, est-ce que gagner des discussions qui faites avec l'association professionnelle des banques, avec forum économique du secteur privé par rapport à la décision ça. Et le gouverneur Asso dit que les comptes en dollars, il y a toujours existé. Et où qu'a nous explication sur ça. Maintenant, c'est un pays qui importe pour plus de 3 milliards de dollars de biens et de services. Donc, balance commerciale nous déficitaire sur son période annuelle. Comment marché de changement pour le fonctionner? Pour les dépôts à terme qui étaient sous 6 mois, sous 1 an, qui étaient libellés en dollars, qui étaient des calculs de taux d'intérêt et qui étaient calculés comme ça, comment nous pourrions le faire? Sous des prêts pour acheter des équipements, comment nous pourrions le faire? Comment marché de changement pourrions organiser et comment éviter une espèce de panique dans le système? Nan? Et la question la plus importante que peut-être le gouverneur a pour répondre pour nous, et à moins que le gros économie décide d'évaluer et d'évaluation monnaie, c'est un homme qui stimule la croissance. Mais dépréciation goutte noir, les symptomatiques de l'état de santé économie noir. Est-ce que parallèlement à disposition ça, il y a des efforts qui ont fait pour que des réponses structurelles qui portent pour l'économie noir jam, pour que le public là, pour que haïtien ait foi dans la monnaie, que c'est la goutte. Merci de poser les questions parce que c'est des questions qui que en pile mon attend. Merci beaucoup. Merci Robertson Alphonse. Moi mais le Robertson Alphonse pose des questions parce que réponse là tout la question. Quand tu le poses en pile. Et si pour rapidement et non pour les dépôts comme en fait les dépôts à terme, dépôts d'épargne et ce sont des en fait ou bien des crédits qui existaient déjà.
En fait, il y aurait été même gens. Pas de changement la dernière. C'est-à-dire que si je fais un dépôt à terme, son investissement que je fais. Ok, je fais un dépôt à terme en dollars, son dépôt à terme en dollars. Il a payé dépôt à terme en dollars et après il dit compte moi avec intérêt en dollars. Ok, baron, est-ce que je suis plus clair que ça? Baron, si je suis plus clair que ça. Maintenant, le marché d'échange, excellente question que vous posez sur le marché d'échange. Hein, parce que de quoi parlons-nous? Le marché d'échange, il y a des acteurs, ok, qui sont habilités à faire du change. Mais ce que nous avons là, c'est plutôt un désordre. Ok? Côté virtuellement, tout haïtien qui ont boutique, qui ont magasin, sont agents de change que lié. Ok? Ou d'accord avec moi, ils ont l'ordre qui vous mettez là-dedans. Et ça, c'est important. Maintenant, quand on fait action de change supposée faite dans les agents de change agréés, les institutions financières. Transaction de change pas supposée à faire tout côté. Dans n'importe qui pays sérieux. Et maintenant, la question fondamentale, c'est peut-être ça me dit que très souvent, question, il y a une réponse là-dedans. Parce qu'on dit, bon, parler de dévaluation, parce que y a une différence entre dévaluation et dépréciation. Dévaluation, c'est l'État décider systématiquement d'évaluer monnaie. Dépréciation, c'est un concours de marché qui fait que, en fait, il y a une dépréciation qui fait tout et sous monnaie locale là. Et c'est vrai, ça dit, dépréciation ou dévaluation, tu as supposé bon pour l'économie, mais dans la mesure qu'on va produire. Et c'est pour toute raison ça, après chaque intervention que nous faisons au niveau de Banque Centrale, nous expliquer clairement la stabilité est fonction de production. Et c'est pour raison ça que nous toujours avons insisté sur que il faut que nous remettions en place les infrastructures de production, il faut que nous investissions beaucoup plus dans les activités de production au lieu que toute cob qui vient à passer en fait dans le commerce et l'importation. C'est avec des infrastructures de production solides que nous avons commencé à produire pour consommation par nous et pour nous exporter de façon à ce que nous générions beaucoup plus de dollars et le SAM, parce que n'a permettre que le pays avance beaucoup plus. Comment le marché d'échange va fonctionner et est-ce que tu peux parler avec APB et Forum économique? Comment le marché d'échange et comment le marché d'échange va évoluer? Le marché d'échange va continuer à évoluer même gens, c'est-à-dire que côté que mon a 20 dollars, mon a acheté dollars. L'homme, par exemple, si tu parles de monde qui fait monde qui reçoit un petit transfert. Monde qui reçoit un petit transfert qui va le dépenser en good. Il va le vendre dollars et puis peut-être il va le bon parti, il va le mettre dans le compte d'épargne. OK, c'est le même marché d'échange. Sauf que qu'on y a là, on pas grand question de tout le monde qu'on y a là pour faire change. OK, ou tellement peur l'eau paraître dans magasin, puis on va le péter fiel avec un taux ou préférer qu'embé dollars dans poche. Et là ça tout le monde qu'embé dollars dans poche. Et si m'ta faire enquête là, presque nous tout gain dollars dans poche. Ah, presque Paris, m'ka Paris cob. Nous tout gain dollars dans poche. Pour qui ça? Pour qui ça? Bon, monde qui pas gain euro, ça veut dire pas gain ni goutte ni dollars. Mais non, nous rire parce que nous c'est vrai. OK. Mais pour qui sont fait li? C'est parce que ou qu'on est prochain bail qu'on va l'acheter, moun n'a pas pété fiel ou et comment pas gain dans courrier changer li? OK. Ou kembe dollars. Et l'or qui est dollar, on fait rétention justement, donc qui fait que vous venez gagner des spéculations, vous venez rater entre l'offre et la demande, qui en fait occasionne des spéculations et qui met tout dans toute bagage. Oui, discussion avec APB et par contre, si le ministre du Commerce a dit, nous souhaitons parler de des arrêtés d'application qui supposent prendre et arrêtés d'application, ça, certainement, par des concertations avec les différents partenaires, les différents secteurs. Parce que arrêté d'application, on parle certainement les modalités, les délais et certainement les sanctions pour monde qui va respecter ça que pour faire. Devant pays, il y a un message clair. Le juge ça a pas voulu dire que le gouvernement va prendre compte monde en dollars pour tout transformer en gold. Le fait qu'on pense, ne pas quoi c'est penser, ne penser c'est dire tout ça. Penser c'est dire tout ça. Non, il n'est pas possible et gon décret. Décret 1989, on va le vérifier. Décret ça, qui est un décret loi, dit que les entités, les institutions financières peuvent ouvrir des comptes en dollars pour leurs clients. Et à ce que je sache, c'est pas vrai, son décret loi que lui va vrai. Donc.
Bien. Deuxième et dernière série, et on va enchaîner avec le TNH et puis Vision 2000. Oui. Non, pas M. Seth Kwapa qui m'a travaillé pour la télévision nationale d'Haïti. Question maintenant, c'est pour le ministre commerce là, capable de reprendre pour nous vraiment que et si toutefois y a une banque commerciale n'a pas respecté les mesures, dis-nous qui sanction formelle qu'a prend dans ce sens-là. Tant que le gouverneur Banque Centrale l'a dit, tant que le gouverneur Banque Centrale l'a fait sur la télé, et ça a arrêté d'application qui pourrait le dire. Mais qui sanctionne, ok, tout contrevenant yo a encouru en cas de non-respect. En forme de m'a tout profité pour répéter ça, ok, arrêter ça, il supposé appliquer et nous voilà mettre tout bagage en œuvre, ok, pour nous faire appliquer dans sa totalité. Merci. Ok, pour nous clôturer, nous avons une dernière question qui a sorti dans Vision 2000, c'est Diego Chal. Merci, bonjour tout le monde. Bon, plus ou moins, j'ai une question qui pose déjà, mais je me demande, mesure ça, est-ce qu'il y a applicable à partir de publication arrêté ça qui fait déjà? Et nous avons pris connaître tout. Tant que là, on a payé loyer, achat de véhicules, terrain, hôtel, est-ce que lors des transactions, un peu le monde capable de pas comprendre cette transaction commerciale là, est-ce que ça est au même tout? Libellé en gold tout. Donc on connaît en pile majorité tout hôtel ici de payer en dollars. Et mis à part du voyage, ou d'ici mon a besoin d'argent pour voyager, nan il est capable de venir auprès de banque. Ma connaît côté que le contenant. La jeune. Mais à part cas ça, quel autre cas mon a capable de joindre l'argent soit devise américaine ou mieux l'autre disponible au fin de transaction que le besoin faire. Merci un peu. Merci. Et bon, m'a juste rappelé, reprendre sa gouverneur l'a dit, toute transaction qu'on fixe là on terrain. Et bah ouais, bon, on terrain pas gain aucun produit étranger là-dedans, pour qui raison terrain sans devise. D'accord, ou besoin loyer. Pour qui raison? Et c'est ça gouverneur dit, l'organ pile agent qui derrière l'argent dans toute la rue. Agent économique, ça dit besoin de payer un loyer, derrière l'argent. Besoin d'acheter une chemise, derrière l'argent. Besoin de un restaurant. Donc, qui s'accrive, ou vient artificiellement, ou pression sous devise, parce qu'il y a trop d'argent derrière l'argent, devise. Ça que nous souhaitons, c'est que devise, c'est monde qui besoin, qui a le derrière. On monde qui a fait une transaction internationale, qui a pris un commerçant, qui a pris l'acheter. C'est normal. Pour le payer gaz ou bien pour le payer moun k'ap travay avèl ou bien pour le payer moun ki n'ta ka dwa suivre kay. Donc c'est clair, ou évacuer tout moun ki pa nécessaire nan transaction de change. Ou vin kite seulement opérateur agent économique qui intéressé ou pour lesquels transaction de change là obligatoire. Donc auquel cas on crée moins pression et puis il permet tout rationaliser activité économique ça tout. Parce que l'activité économique, ça, li fait n'importe qui, et c'est ça le gouverneur Abdil, tout le monde improvise un agent de change. Donc, l'idée, c'est plus en opération pour rendre transaction en agent économique yo, plus simple sous territoire. C'est pas comme ça, il y a un monde qui baille parole. Merci. C'était la dernière question, et nous, si pas gain à jour, fini. Si pas gain à jour pour analyser, nous remercions tous les journalistes qui t'ont fait déplacement. Tu es impertinent. Remercions tous les journalistes qui t'ont fait déplacement. Merci à Télé Nationale d'Haïti parce que tu es assez bien dit. Merci à tous les journalistes. Une conférence pour la presse, côté que et Premier ministre Jacques Guy Lafontaine accompagné ministre finance et économie Patrick Salomon et puis gouverneur Banque Centrale
Jean-Baptiste Dubois se baille sous mesure que le gouvernement prend pour capable vraiment de faire toute transaction commerciale faite en good dans le pays. Côté, il y a des éléments réponses par rapport avec la mesure ça qui prend. Et j'en a présumé, je nous disant que toute mesure formelle apprend bon côté autorité concernée selon ministre Cobestan pour toute transaction banque respecter formelle mesure ça pour toute transaction faite en good normalement dans le pays. Et voilà, conférence en finie. Et n'a dit tous nos amis, auditeurs, téléspectateurs, télévision nationale, restez suivants pour Gamma Sotéléan et à la prochaine.